Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, toujours à Saint-Rémy-sur-du-Rol, les Bois Noirs. On va faire un petit parcours sympa. En plus aujourd'hui il fait superbe temps. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est parti. Petite sortie aujourd'hui encore sur Saint-Rémy-sur-du-Rol, des Bois Noirs, un parcours que je connais pas du tout. J'espère qu'on va pas tomber, pas se perdre et que tout se passe bien. En plus aujourd'hui il fait super beau, on a une super vue. J'espère que toutes les conditions seront là. Les premières difficultés, déjà une montée. J'ai fait que 3 km même pas et on est déjà dans une montée. J'espère que ce parcours va être bien parce que là ça commence dur hein, déjà. Voilà, quand se termine difficilement, mais se termine quand même sans poser le pied par terre. C'est déjà super pour un vététiste amateur comme moi. Hein. Ça devient dur. Et là, on retrouve quelques chemins roulants. Après cette belle montée, ça fait du bien. On se laisse aller, on récupère. C'est du gratuit, ça. Là, ça a bien plu en plus. C'est bien gras, c'est super. Bon, ben, au bout de 5 km, on tombe déjà sur ça comme panneau. Ça fait pas très plaisir. Alors. On va tenter de la faire, c'est une belle petite descente. Hein. On va tenter de la faire, mais doucement, je vais pas faire le fou ici, je suis tout seul. Bon allez, on attaque cette descente. Alors bien en arrière. Hein. On va essayer de pas se faire mal. Je la sens vraiment pas bien cette descente là. Je vois rien avec les feuilles. Oh là là, j'ai déjà manqué de tomber. Même des beaux chemins. Hein. Des beaux sentiers dans les Bois Noirs, c'est super. Oh là là, il y a du caillou bien mouillé, de la racine mouillée, doucement. Oula, mais je vais où là? Oh là là. C'est un truc de malade cette descente. Ils m'ont fait descendre ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais des gros cailloux qui. Sont bien trempes, franchement c'est pas fait pour les débutants là. J'espère qu'elle est pas trop longue parce que là ça devient déjà compliqué au bout de même pas 500 mètres. Bon, et bien allez, on se retrouve j'espère en bas. Allez, à tout à l'heure. Si la sortie est comme ça tout le long, et ben ce sera une de mes plus grosses sorties hein, que j'ai jamais fait en vélo là, parce que je roule pas du tout là. Allez, yo, tu peux le faire, yo, allez. Ouais. On peut le faire, on peut le faire. Impeccable. Ça y est, on est en bas. Pas eu de chute, pas de bobo. Je sais pas si vous voyez bien cette descente, mais magnifique, un super sentier. Vraiment, voilà, avec un peu plus d'expérience, on doit se faire super plaisir. J'espère que vous voyez bien. Super sentier. Au top. Je suis trop content. Bon, ben pour l'instant, cette sortie se passe plutôt pas mal. Des trucs à refaire. Vraiment. Vraiment du caillou. Encore une belle descente technique, je pense. Waouh, je manquais de tomber. Je tourne un peu les vitesses. Pour un meilleur braquet. Mais c'est sympa, hein. Vraiment sympa. Là il y a de la pavasse de partout. Oh là là, il y a du chien. J'espère qu'il va pas avoir les chasseurs devant nous. Ah, ils sont juste là. Hein. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous les voyez. Il y a quand même du chien. Eh pépère, t'es perdu toi? Eh, celui-là il est perdu le pauvre. Une belle descente. Je vais vous montrer ça. Si possible. Encore un beau sentier. Hein. Là en plus c'est la chasse. On a vu énormément de chiens passer. J'espère qu'on va pas croiser les chasseurs parce que je voudrais pas me prendre une balle par le cul quand même. Allez, après la meute de chiens, on peut repasser. Là, c'est sympa.
vraiment la racine de partout du caillou. Alors comme tout à l'heure, en arrière sur la selle. Et on descend tranquillement sans se faire mal. On est vraiment dans la forêt là. Hein. Ça se corse là vraiment. Ça se corse bien. Oh putain, ça glisse. Oh aïe aïe aïe. Ouf. Mais où je suis allé? Je sais pas où c'est que je suis parti là, mais ça devient de plus en plus compliqué. Je vois pas de panneau, je vois rien. Quoi, c'est chaud là. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, là ça a l'air d'être un peu plus roulant. On va un peu lâcher les freins. Ça cogne de partout. Oh là là là, ce truc de fou. Oh là là là. Je sais pas si vous y voyez bien, mais c'est vraiment de la grosse pavasse. Hein. Les pneus accrochent pas bien, pourtant ils sont pas vieux. Super, super, super descente. Voilà. Manqué de tomber encore une fois. Oh là là, il y a un beau trou. On vient juste devant. Racine. Mais on aime ça, hein. On est engagé là. Chouard. Oh là là. Ben pour cette deuxième vidéo, je pense que vous êtes gâtés. Parce que là, elle est superbe cette sortie là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Voilà, il y a un super sentier, je vais vous faire voir ça. Je sais pas si je le prends ou pas, j'entends la rivière en bas. Mais de toute façon, par ici je suis bloqué. Alors on va y aller. Traverser la rivière. Hein. Mois de novembre, traverser une rivière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh, pire. Bon ben voilà, petite pause bien méritée. Après cette belle descente, ce traversement de rivière. Voilà, on va faire reposer un peu les jambes. Et puis on va prendre le chemin du retour, tranquillou. Voilà, c'est la fin de cette sortie. On a fait une sortie d'à peu près 20 km. C'était génial avec des super terrains, des belles descentes. Voilà, on a fait 800, un peu plus de 800 mètres de dénivelé. Bon, ben, y en a certains, ils vont me dire, c'est pas grand chose. Moi, pour moi, c'est déjà pas mal. Je me suis fait plaisir, c'est le but. Voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Salut!